Oh, je suis stressée. En ce moment, je suis pas en mode full confiance perso. J'espère qu'ils vont pas couper mes blagues au montage. Peut-être qu'en fait, c'est à une thérapeute que je devrais en parler et pas à Vogue. J'adore. Franchement, si Internet n'aime pas ma tenue, c'est pas grave, je l'adore. Je suis un peu fière de moi. Bravo. Salut Vogue, j'espère que vous allez bien. Nous sommes à Cannes pour le festival de Cannes. On peut se préparer ensemble si vous voulez. Venez. Moi j'adore regarder ces vidéos, du coup je suis trop contente d'en faire une. On a Manel au maquillage, que j'ai rencontré il y a 2 ans. Et les sessions maquillage, ça peut paraître très superficiel. Et dans cette superficialité, il y a quand même quelque chose qui se crée, c'est que tu te retrouves dans des moments de stress, dans des moments de vulnérabilité, où tu te sens pas jolie. Surtout quand tu fais des tapis rouges où t'as les plus belles femmes du monde qui défilent juste avant toi. On a vécu des larmes, des rires. Donc c'est make-up artiste et également thérapeute. Aux cheveux, on a Fatou. Et c'est difficile de trouver des personnes qui s'occupent des cheveux bouclés. Et Fatou... connais mes cheveux et on en apprend tous les jours quand même. Hein. Oui, quand même. Parce que mes cheveux, un coup je me réveille, ils sont sublimes, le lendemain ils sont horribles. C'est pour ça qu'aujourd'hui je porte des perruques, des extensions. Et si j'ai un message à faire passer, si vous regardez cette vidéo, les filles, sachez que dans cette industrie, tout le monde porte des perruques, tout le monde porte des extensions. Donc quand on voit des cheveux sublimissimes, ne complexez pas, c'est pas les nôtres. Enfin, c'est les nôtres puisqu'on les a achetés, donc théoriquement ils sont à moi. Mais ce ne sont pas les nôtres. Pour m'occuper de mes cheveux bouclés, j'ai d'abord tout coupé. Pour reprendre une bonne base, on a arrêté complètement la chaleur et c'est du soin, c'est de l'amour à donner et arrêter de vouloir toujours les cheveux lisses à la Hollywood. J'ai compris que je les aurai jamais donc maintenant je me dis j'aurai les cheveux à la mafouf, c'est mieux. C'est la première fois que je porte une robe de ce type. Là, on est dans une situation vulnérable parce que ce soir, je mets en avant la partie que je teste le plus sur mon corps, c'est mes cuisses. Je porte une robe body. C'est une robe incroyable, dessinée en 1994. On est parti dans les archives Vivienne Westwood et on porte une robe que Naomi Campbell a portée pour un défilé. Ils ont fait une recréation de la robe de 1994. Aujourd'hui, je porte une robe qui est plus vieille que moi. Et ce qui est génial, c'est que dans 2 jours, je remonte les marches avec une robe de 2024. Donc on fait 1994 et 2024. Je trouve ça trop fun de porter un vêtement qui a une histoire avant toi. Vous voulez que je vous montre où est-ce que j'étais il y a 1 heure? Vous allez rire. Ça, c'est moi à l'aéroport. Il y a 1 heure, puisque j'ai oublié mon sac dans l'avion, avec toutes mes affaires dedans, passeport, carte bleue, carte vitale. Et donc du coup, j'ai pleuré. Jusqu'à ce que mort s'en suive, parce qu'ils ne voulaient pas me laisser quitter l'aéroport sans passeport. Ils ont dit, rien ne nous prouve que vous êtes française, il faut appeler l'ambassade. Elle a dit, vous y avez un sac rose, on l'a laissé aux objets trouvés. J'ai couru comme jamais. Et tout est bien qui finit bien. Non, c'est pas vrai. Ça ne finit pas bien puisque l'avion ne peut pas décoller, il y a des orages. Ce qui fait qu'il nous reste 40 minutes de glam. Quand je regarde un film, c'est un vrai moment que je mets dans ma journée parce que je suis le type de personne qui vit à 3000%. Si le film fait peur, je suis terrifiée. Si le film fait un peu pleurer, je suis en train de chialer à chaudes larmes. Ça arrive aux personnes qui sont très anxieuses. Elles regardent des films où elles connaissent déjà la fin. Parce que ça me procure pas trop de stress, pas trop d'angoisse. Je regarde Friends constamment. Dès que je fais des crises d'anxiété, d'angoisse ou quoi que ce soit, c'est une série qui va m'apaiser. C'est juste des copains. Peut-être qu'en fait, c'est à une thérapeute que je devrais en parler et pas à Vogue. Qu'est-ce que vous en pensez? Attention, Manel sort le scotch. C'est-à-dire que shit is getting real. Ça, c'est une vieille technique qu'on faisait. Et Manel, t'as vraiment bien masterisé le scotch, quoi. Non, mais qui m'appelle? C'est le Festival de Cannes, là. Ça va pas? Ah, c'est mon chéri. Mais il a le droit. S'il y a un soutien émotionnel dans toute cette histoire, c'est Seb la frite. C'est fou les gens qui t'appellent et quand tu les rappelles, ils répondent plus. J'espère que je vais me sentir jolie dans leur... J'arrive pas à croire que ce matin, j'étais vraiment au marché au Mexique en train de négocier pour acheter des assiettes. J'ai rien. J'ai une brosse à dents, une culotte et une paire de chaussettes. Tout le reste, c'est des vêtements qu'on prête. Tous les vêtements stylés qu'on porte au Festival de Cannes sont des prêts. Rien ne nous appartient. Après, je pense que Rihanna, c'est sûr, c'est les siens. La star. En ce moment, je suis pas en mode full confiance perso. Je vais pas vous mentir. Je suis pas au max de mon amour personnel. Donc ce soir, je vais essayer de tout donner. Mais il y a moyen qu'il y ait une partie que ce soit un peu de l'acting. Est-ce que c'est triste à dire ou c'est réel? Je sais pas. C'est la vérité, en tout cas, c'est sûr. Il y a tellement de gens que j'admire, il y a tellement de facteurs qui font que je trouve ça complètement fou que je me retrouve ici, que au pire, si les gens sur Internet, ils aiment pas ma tenue et qu'ils me trouvent
un peu trop ronde pour la porter ou un peu trop laide pour la porter. C'est pas grave. Ce sera pas ma première chose sur internet de toute façon. Donc là, je vais essayer de rentrer dans un alter ego qui a plus confiance en soi que ce que j'en ai réellement. Oh ! Attends, non. C'est qui ? Le photographe est arrivé. Parce que s'il y a une chose à laquelle je suis mauvaise, c'est de poser pour les photographes. Je suis nulle. Tu regardes mon Getty Images, c'est vraiment le musée des horreurs. Ma pose de stressée, c'est vraiment... Je suis comme ça, et je fais... Mais qui fait ça sur un tapis rouge, tu sais, elles sont toutes hyper glamour et hyper fraîches. T'as l'impression un peu d'être un imposteur. Et quand je vois comment je pose, c'est clair que je suis une impostrice. Et ce qu'on fait, c'est que Tiziano vient avant. Parce que pour faire des photos avec mes copains, il n'y a pas de problème. Tu me tues si je te dis Clara, elle est pas droite? Elle est pas centrée? Attends, mais on peut pas... Ouvrir plus? Non, je vais tout gâcher si je fais ça, Léna. Ah ouais? Trop de likes, trop de trucs. Quand on commence vraiment à sentir le stress, c'est une bonne playlist. Une bonne playlist, ça veut dire Rihanna. C'est aussi de tout simplement se dire que, en fin de compte, qu'on est en train de faire, c'est rigolo, c'est chouette, on sauve pas des vies. Et la phrase "on sauve pas des vies" elle me rassure sur tellement de choses. Du coup, je pourrais jamais être médecin, parce que un médecin, tu peux pas dire bah, "tu sauves pas des vies, des stress". Bah si, frérot, je sauve des vies. Je parle trop. Tu bouges trop. Pardon. En fait, c'est pas forcément le stress, mais c'est que on vit quelque chose de comme très instantané avec les réseaux sociaux où tu sais si les gens ont aimé ton look ou s'ils ont détesté ton look. Je suis un peu influençable et je prends très à cœur. Donc quand je vois la haine sur les réseaux sociaux, je suis en mode c'est vrai, c'est horrible ce qu'on a fait, alors que j'étais sortie en étant hyper confiante. J'essaie de pas imaginer les tweets des gens qui vont se moquer de moi encore sur internet et de penser à ma mère qui va me dire j'ai adoré ton look à la montée des marches, bise. C'est ce message qui compte. Bon, les filles ont fait leur magie. Je ne ressemble pas du tout à ce que je ressemblais en sortant des 14 heures de vol. Je me sens bien. Et allons enfiler cette tenue, regardez-la. Ceci n'est pas un rideau, mais ma tenue Vivienne. Pour vous dire, j'ai reçu un mail qui expliquait comment enfiler correctement la tenue. Je ne vais pas vous mentir que quand j'ai ouvert la housse et que j'ai vu une culotte, je me suis dit ouais. Voilà, c'est ça ma tenue pour Cannes. Let's go. Ces petites attaches sont en fait pour porter ceci. C'est pour surélever le nœud et donner plus de volume à la tenue. Mais ça, je sais pas comment je vais m'asseoir au cinéma avec. C'est un problème pour plus tard. La Léna du futur gérera ce problème. La Léna du présent veut juste s'habiller et s'amuser. Je me change. J'espère que je rentre dans la tenue. Croisons les doigts ensemble. Et c'est parti. Je rentre dans la tenue. Ça y est. Par contre, elle passe par les portes. Hop. Ok. La traîne est là. Il ne manque plus que les bijoux. Et ça y est. Je suis en archive Vivienne Westwood. Je pensais pas qu'un jour je dirais cette phrase. Je suis un peu fière de moi. Bravo. Il faut savoir que pendant ce type d'événement, le maquillage ne s'arrête pas au visage, mais il existe ce qu'on appelle le body paint. Le body glow, je sais pas, nous on dit vas-y fous-moi ça, partout sur le corps. J'ai plein de taches de psoriasis sur mes jambes, on les camoufle un petit peu, j'ai des taches de dépigmentation dans le dos, donc on essaye un peu de camoufler tout ça, mais si je vous le dis à vous finalement, donc je me sens proche moi de la communauté Vogue. Eux ils sont peut-être pas proches de moi, mais moi je suis proche de vous. J'espère qu'ils vont pas couper mes blagues au montage. Parce que moi si je suis pas drôle en fait j'ai rien pour moi. Oh je suis stressée. Bon alors, quelles chaussures on préfère? Ok, ceux qui préfèrent celle-ci, lèvent la main. Ceux qui préfèrent celle-ci, lèvent la main. Ah, c'est le vote du public. On va voir un tweet en disant « J'aurais préféré qu'elle porte des chaussures un peu plus noires. » Les bijoux. Oh, il se passe quelque chose, non? C'est plein de petits cœurs et c'est ce qu'on va essayer de donner ce soir, un peu d'amour. C'est des cœurs, bon c'est des cœurs de diamants. Moi je vous donnerai des cœurs de moi, ça vaut pas grand chose mais je vous donnerai des petits cœurs. Je crois que j'ai cassé la boucle d'oreille. C'est joli. C'est magnifique. Oh c'est gentil. Bon, j'espère qu'internet sera tendre ce soir. Ah non moi je suis trop contente, j'adore. J'adore, franchement, si internet n'aime pas ma tenue c'est pas grave, je l'adore. Et je suis en archive Vivienne Westwood quoi, c'est un truc de fou. Je
J'ai des diamants chopage. On est à Cannes, les gars. Et c'est l'anniversaire de Naomi Campbell ce soir. Voilà, c'est mon cadeau, Naomi. Je sais que tu regardes de fou mes stories et tous mes vlogs. Du coup, this is for you, Naomi. On est en retard. Ce qu'on vous dit pas, c'est que le Festival de Cannes, c'est finalement un workout. Je fais pas de sport, mais je fais le Festival de Cannes. Et je crois que ça brûle tout autant de calories. Vogue, ça y est, c'est la fin de notre périple. Souhaitez-moi bonne chance, c'était un honneur de vous avoir avec moi. Et vraiment, j'en ai tellement rêvé de faire ces vidéos, de les regarder à force. Donc si moi j'ai pu y aller, je crois que vous aussi vous pouvez y aller. Et abonnez-vous à Vogue.